internationale du Canada, mais un gros morceau du débat aussi, ça va être de savoir qu'est-ce qu'on va faire au niveau fédéral, parce que la répartition des compétences au niveau de la Constitution rend la marge de manœuvre du gouvernement fédéral. On ne connaît pas encore l'étendue de cette marge de manœuvre. Donc, pour le moment, la question ne s'est jamais posée parce que les gouvernements précédents étaient très peu proactifs. Et dès lors qu'on va pouvoir avoir dès lors qu'on a un gouvernement qui se dit vouloir être proactif, ben, on va se confronter un peu aux limites des règles qui existent, à savoir jusqu'à quel point est-ce que le gouvernement peut être proactif sans empiéter sur des compétences qui relèvent des provinces. Et là, on pourrait avoir des contentieux constitutionnels sans doute importants.